tout scatter. Chino des formes. Pamela. Esta. Qu'est-ce que tu fous ici? Bienvenue. J'étais venue voir une amie par ici. Et qu'est-ce qui fait que tu restes ici? C'est même la question que je me pose, non? Combien de fois t'ai-je demandé d'apprendre comment grandir? Une chose est vraie, je me pose moi-même cette question. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Je t'attendais, non? Tu m'attendais, non? Nous sommes une famille. Oui. Et tu sais que je ne vis pas seule. Et je ne peux pas te laisser vivre ici. Je peux rester avec toi, non? Oui. Je dois informer mon colocataire avant de te laisser vivre ici. J'ai compris. Quand elle va retourner, elle va me trouver ici. Oui, si tu ne peux pas le lui dire, je le lui dirai moi-même. Je suis fatiguée. Je veux rester ici. Prends, j'ai acheté pour toi. Prends, non? Je vais à la maison, bien? Vicky, change ces films, non? Qu'est-ce qu'il raconte même là? Mais quelque chose que je veux comprendre. Pourquoi tu n'entends pas ce qu'ils disent? Depuis qu'on a commencé ces films, toi seul tu comprends, moi je ne comprends rien. Tu as quand même entendu. Écoute ce qu'ils racontent. Vraiment. Mais notre chaîne, non? Je veux avoir les informations de ce qui se passe, non? Ok. Prends. Tu peux mettre la chaîne que tu veux. T'arrive. À partir du portail, on peut déjà entendre ta voix. Oh mon Dieu, comment s'est passée ta journée? Moi, ça va. Et comment s'est passée la tienne? Comment expliquer que tu es rentrée à la maison avant? Alors, j'étais partie juste pour prendre quelques rapports. Après, je me suis décidée de rentrer vite à la maison. Bonsoir. Bonsoir. Elle s'est... Pamela, ma cousine. Pamela, c'est Tony, ma colocatrice. Bienvenue. Oh, j'ai préparé ma kimchi. Oh, ma belle, je suis très en famille. Merci beaucoup. Ok, après avoir te débarbouillé, tu sais ce que je vais faire. Oh, d'accord. Oui, d'accord, d'accord, ok. Ah, quelle journée. Elle parle de quoi? Des marques d'eau et de fromage. C'est le macaroni. Quitte-la. C'est quoi avec toi? Hey, Vicky. Oh yeah. Moi ça va. Qu'est-ce que je fais? Oh, franchement, je te dis. C'est quoi ça? Vous voulez me tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai cherché partout. Je ne vous retrouvais pas. Je suis sortie en criant. Vous n'étiez toujours pas là. On était partis faire un 100 pas. C'est un exercice physique. Exercice? Exercice pourquoi? Vous qui avez l'air des écrevisses. Avec toi, je peux accepter au moins. Est-ce que je peux avoir un verre de l'eau? Il n'y a pas de problème, ok. Mais la prochaine fois, ne sortez pas directement pour les exercices sans me prévenir. Je ne veux pas que les gens viennent me poser des questions ici quand quelque chose de mal vous arrivera. Quitte-la. Ah, ma sœur, est-ce que j'ai mal parlé? Oh, tu as raison. La prochaine fois, on te dira. Ouais. C'est ça, j'aime des gens gentils comme toi. C'est quand les gens vivent en accord. Ils acceptent facilement leurs erreurs. J'aime ça.
Est-ce que maintenant je peux y avoir ces verres d'eau? Eh bien, je te donnerai un verre d'eau. Mais tu sais, hein, ta nature me pousse à t'aimer encore davantage. Là où tu seras, je serai là. Nous vivrons comme de jumelles. Quand on verra ton nez, on verra aussi les miens. Tu vois, moi là, je ne suis pas compliquée, oh. Si je fais une erreur, juste dis-le-moi. Et je vais me corriger. Ne suis pas ma sœur. Tu m'as compris. Tu vois, moi là, mon cœur là est tout blanc. Et clean. Je ne suis pas hypocrite, oh. Tu comprends, oui. Donc, les jours qui viennent, moi et toi, on va être le vrai copine. Arrête ça. Oh, j'ai mal parlé. Attends-moi, on va aller ensemble dans ta chambre. Hein? Je suis désolée. Je ne le ferai plus, bébé. S'il te plaît, chérie. Bla, bla, bla. Je me suis levée et je l'ai laissée avec ses excuses de merde. Je pensais que tu l'aimais. Je l'aimais jusqu'à ce qu'il me trompe. Ça veut dire maintenant que tu es cinglé, toi. Ma chère, c'est bien d'être célibataire que d'être en couple avec une mauvaise personne. Tu avais encore dit que ta cousine venait d'où? Pamela, qu'est-ce qu'il y a, non? Veux-tu te couper le doigt? Es-tu une chienne? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mais qu'est-ce que je fais, non? Pamela, tu ne peux pas manger comme ça devant les gens. S'il te plaît, arrête de nous coller la honte. N'avez-vous pas constaté que ce poisson est très délicieux? Hein? Écoutez, ils ont mis tous les ingrédients au complet. Le sel est bien dosé, l'huile, en fait, tout est parfait. Laissez-moi manger, hein? Ne me distrae pas. Tu sais quoi? Je vais d'abord commencer par ça. Hein? Comment le fait que je savoure mon poisson peut vous embarrasser? Hein? Répondez-moi, en quoi êtes-vous embarrassé? Donc, profiter de son poisson braisé devient un embarrassement. Hein? N'est-ce pas que tu as mangé ton poisson, toi aussi, à ton tour? Est-ce que je t'ai dérangé? Et tu dis que je t'embarrasse. Tu m'insultes à tout moment. C'est pas vrai. Laissez-moi, oh. Pardon, je vous en prie. Tu peux bien le manger. Vas-y. Tant mieux. Si ça te semble bon. Vas-y. Merci. Hé. Hey. Ah. Oh, Seigneur. Mais ton jus, non? Allez, donne-moi, non. Ne suis pas ma sœur. Oga, bienvenue. Merci beaucoup. Tiens ça pour moi, s'il te plaît. Debi est là. Debi est venue? Oh, waouh! Salut! Je ris. Oh, tu m'as manqué. Comment vas-tu, chérie? Je vais bien. Je vais bien, mais j'ai parlé avec toi, mais tu n'as pas dit que tu venais ou tu allais venir. Waouh! C'est parce que je voulais te surprendre. Ah, je vois. Alors, on va passer une bonne nuit. Vraiment, c'est vrai. Oh bien, je vois que tu as une nouvelle bonne. Qu'est-ce qui t'arrive à la dernière? Je l'avais renvoyée. Elle ne s'est pas préparée. Tu sais comment je suis exigeant avec ma nourriture. Bébé, c'est la 14e fois que tu chasses une bonne dans cette maison. J'espère que tu ne vas plus chasser celle qui est venue là. Hein? Je l'espère aussi. Elle n'a commencé qu'aujourd'hui. Elle est encore sous mes observations. Alors. Oui, est-ce que tu peux demander à la bande de me faire quelque chose? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. J'ai très faim. Madame, est-ce que tu peux donner à mon mari un truc pour manger? Il n'y a pas de problème, madame. Je t'aime beaucoup. Chérie, je peux aller prendre ma douche. J'ai une longue journée aujourd'hui. Je vais d'abord m'échanger dans la chambre. Je te reviens. Je te reviens. Attends-moi là. Je peux bien te aider à les faire. Non. Juste surveille-la dans la cuisine, qu'elle me fasse quelque chose à manger. Oh, qu'est-ce que je vais aller faire à la cuisine? Tu sais que je n'aime pas rester à la cuisine, chérie. Ok, je t'attends alors ici. Oui. Ok. Bébé,
tu as fini? Oh, tu as l'air frais. Et tu sens bon aussi. Pensez, tu as fini avec la nourriture? C'est déjà prêt, monsieur. Bon appétit, monsieur. Merci. Bossé! Bossé! Oga! Amène-moi une autre assiette, s'il te plaît. D'accord, monsieur. En regardant ton visage, c'est comme si la nourriture n'est pas bonne. Ça veut dire... cela fera appel à une autre bonne très bientôt. Bon, si vraiment tu étais... tu n'allais même pas dire tout ce que tu entendais dire là, oh, tu vois. Ok. Tu veux dire que je suis quoi? Merci. C'est vraiment difficile à croire. Si j'ai subi tout ça, c'est juste à cause de toi. Non, vas-y, parle. Dis ce que je suis. Je suis quoi? C'est toi qui devrais me préparer la nourriture, mais tu ne le fais jamais. Ah bébé, ne dis pas ça. Ne va même pas là. Tu sais que je ne sais pas préparer. Je n'aime pas préparer. D'après tout, tu sais que nous avons 3 cuisinières chez nous. Tu avais travaillé pour mon père. Tu connais très bien notre maison. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Je ne suis pas faite pour ça. C'est bien. Laisse-moi un peu goûter. La nourriture n'est pas si mal que ça. Mange. Je ne dis pas qu'elle était mauvaise, mais je dis qu'elle n'est pas délicieuse. Tu sais quoi? Je n'ai même plus d'appétit, même pas un peu. Je vais aller me reposer un peu dans la chambre. Je viens avec toi, chérie. Je ne resterai pas ici seule. Sérieux. D'accord. Quand est-ce qu'elle va partir? Vicky, je te parle. Oh, je te croyais au téléphone. Qu'est-ce que tu disais? Quand est-ce que ta cousine Pamela va partir? Elle ne rentrera pas maintenant. Elle est encore là, elle va rester avec moi. Rester avec toi ou non? Pourquoi est-ce que tu la chasses? Je ne la chasse pas du tout. Tu connais les règles. Si ta cousine doit rester avec nous, dans ce cas, elle doit payer le loyer. Oui, je me rappelle de loi. Elle est sans emploi, Tony. Si Pamela trouve l'argent, ah, elle va... J'ai l'argent en haut. Oui, j'ai l'argent en haut. J'ai l'argent. J'ai assez d'argent. Je vais faire le poisson, comme on a mangé l'autre jour au restaurant. Je vais amener ça. Je le mettrai juste sur la table. Ici, je vais en profiter. Je ne suis pas égoïste, oh. Vous mangerez aussi avec moi, hein? Nous ne parlons pas de poisson. Nous parlons du loyer. L'argent! L'argent de loyer. Pourquoi non? Vous voulez que je paye le loyer? Ça veut dire que le bailleur viendra bientôt nous mettre dehors. Vicky, je te laisse donner des explications. Je ne crois pas que je serai en mesure de faire ça. Non. Oui.
Excuse-moi. Dégage. Hé! Hey! Okosidje, les gens de mon village, oh. Tiens, bientôt nous serons chassés d'ici. Tiens. Vicky, pardon, c'est combien l'argent de loyer? Dis-moi, même si je ne saurais pas le payer, dis-moi quand même. On en parlera plus tard. Pour le moment, je vais m'apprêter parce que mon fiancé vient me prendre très bientôt parce qu'on doit sortir. Regardez-moi ces enfants, oh. Je leur pose la question de savoir les montants du loyer. Elles me parlent de fiancé. Mais c'est... Vicky? Vicky? Ma chère. Où est-elle partie? Oh! Elle a dit qu'elle allait voir son fiancé. Je ne te comprends pas. Ah ah! J'ai dit qu'elle est partie avec son fiancé, non? Oh! Qui ou qu'est-ce que ça veut dire, fiancé? Ah, je ne sais pas où, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, tu veux dire fiancé? Eh non, tu n'as jamais entendu ça avant. Mais on dit fiancé et non flancé, je ne sais quoi. Ok, peu importe. Jésus. Oh. Oh. Vicky a fini tout le shawarma. Hé, hey. Salama, ce que tu avais amené la fois dernière. Hé, hey. Tu sais, quand je vois les gens manger cette histoire, je souhaite les manger aussi. Les jours où j'aurai l'occasion d'en manger, hein. Je vais les manger comme une chienne. Hé, hey. Elle a mangé. Est-ce que... par hasard, tu étais allée à l'école? Bien sûr, non. J'étais à l'école primaire de la communauté à Zibou. Je présume que tu avais au moins un professeur de français. Oh, peu importe, laisse tomber. Fais-nous quelque chose à manger, j'ai très faim. Donc, tu me demandes de faire quelque chose à manger pour toute la maison. Hein? Mais tu as dit que tu as de l'argent. Ça veut dire que toi aussi tu aimes l'argent. Bien sûr que j'aime de l'argent et pourquoi pas. Je ne peux pas rester avec des gens qui sont fauchés. J'ai vraiment horreur de ça. Moi aussi, hein. Je me sens vraiment embarrassée quand je ne... Oh non, non, non. Je ne suis pas faussée. Tu sais, là où je travaille, on me paye un salaire de 30 000. Et ma madame venait juste de me payer mon argent avant que je ne vienne ici. Oh, attends un instant. 30 000 naira, c'est tout ce que tu as? Non, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte. Si c'est un Vicky, ma sœur, réfléchit très 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 bien. Elle m'a conseillé de faire une épargne. Donc, elle refuse, elle ne veut pas que tu puisses dépenser de l'argent? Oui, non. Écoute, pardon, okay. Hein, n'essaie pas de le dire à ma sœur Vicky, sinon elle sera vexée. C'est bon, puisque tu n'aimes pas les gens qui n'ont pas d'argent. C'est ça. C'est dans l'idée de mon souhait que nous puissions devenir des amis. Alors, qu'est-ce que tu vas cuisiner? Ah ah, n'est-ce pas que tu as dit que tu voulais manger salama? Oui, je le voulais, mais c'est fini. Non, on peut aller l'acheter, non? Moi aussi, je vais le goûter. Après, on va démarrer notre amitié. Mais c'est toi qui vas payer. Oui, non, je vais payer. Ça sera le goût de notre amitié. On va partager les salama. C'est bonbon, bonbon. Ok. Attends-moi, hein. J'arrive. Je vais aller m'échanger. J'arrive. Très bientôt.
Salam. 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 Oh, salam. 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 Oh. Pamela. Oh, Seigneur. Pamela. 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 Salam. C'est quoi ton problème? Salam. Oh, désolé. Bon après-midi. Bon après-midi et bienvenue. Merci. Nous avons du besoin shawarma. De shawarma. Shawarma poulet ou shawarma viande? Poulet, oui, shawarma du poulet. Shawarma poulet, okay. C'est ça. Nous avons le grand format ainsi que celui du milieu et il y a également le plus petit. Je ne sais pas, lequel voulez-vous exactement? Poulet, oui. Shawarma poulet, le gros, le plus ok. Gros, ou bien le, c'est ça. Le très grand. Le plus gros, ah, d'accord. Okay, merci. D'accord, ça vous fera 800 lira. Pas de problème. C'est ça, on okay. S'est mis derrière, merci. Les salams. On y va, ils viendront nous servir. Je vous les emmène, je vous les emmène. Bonjour maman. Bonjour. Ils amènent ça. Regardez, oui, regardez. On y va, on s'est mis là-bas. Ok, là-bas. Arrête, Pamela, de faire ça, s'il te plaît. Salama. Merci. Salama. Salama, salama. Tu sais, Vicky, je veux que tu m'apprends à parler français. Tu vois ces gros, gros, gros mots français là. Je vais commencer à le parler. Je vais bien parler comme toi et ma sœur. Je ne vais plus parler comme tous ces villageois qui passent par la brousse. Moi, je suis maintenant une citadine. Ah, regarde comme la fumée sort. C'est chaud. Est-ce que tu étais vraiment allée à l'école? Bon appétit. Stop, stop, stop. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire? Dis-moi. Je mange mon salama, non? Tu es vraiment une illettrée. Tu es sans manière. Ah, ah. Mais qu'est-ce que c'est, non? J'ai dépensé mon argent pour manger les salamas. Tu commences à... Es-tu toujours obligée de te ridiculiser à chaque fois que nous sortons? Ah, ah. Tu ne vois donc pas comment est-ce que je tiens les miens? Tu ne vois pas comment je mange? Pourquoi tu te ridiculises toujours comme ça à chaque fois? Mais qu'est-ce que tu as à me déranger quand je mange toujours, non? Tu peux pas m'empêcher de profiter de tous les salamans. Tu peux aussi manger avec le papier. Moi, je tiens avec le papier, non? Tu ne sais vraiment pas manger à table. Tu te ramasses, hein? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les Nigériens? Tori. Mais c'est quoi ton problème, même? Vous ne me laissez jamais manger tranquillement, que ce soit toi ou ma soeur, chaque fois que nous sommes sur la table. J'ai dépensé mon argent pour profiter des salamas pour la première fois. Tu veux me conseiller comment les manger? Attends, oh! Attends-moi, j'arrive! Toi, attends-moi, oh! Tu n'es que moi, oh! Salut. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle dégage journée. De là, je ne vous ferai pas. Va-t'en. Va-t'en. Non, arrête. Hein? Tu fais toujours ça. Voleuse. Désolée, je t'avais pas parlé par rapport à Pamela. Oh, allez, c'est bon. Je vais dire, cela peut arriver à tout le monde. C'est pas grave. Merci pour avoir compris. Qu'est-ce qui t'a piqué? Mais quoi? Je vais dire, elle est ta cousine. Et
À part cela, elle est très utile. Essaye de goûter. Ah ah, Pamela, qu'est-ce que c'est? C'est une domie. Elle a dit qu'elle avait faim. C'est pourquoi je me suis décidée de... Pamela, c'est Indomie, pas Indonie. Ok, c'est comment? Délicieux. Ok, tiens, tu vas continuer à manger. Donc, merci. C'est bon. Fais vite. Ok, ça a changé. Je suis sortie pour 6 heures. Vous êtes tous les deux devenus de meilleurs amis. Ma belle. Tu es mon amie. Et elle, c'est ta sœur. Donc, je n'ai pas de choix. Hein? Ok. Non, n'essaye pas. Non. Pamela? Pam, pam. Hein? Viens. Je suis derrière toi. Hein? Délicieux. C'est très bon, non? Le goût de ça. Pam, pam. Mon ami. Oh Vicky, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Tu as mis des désordres partout. Dai m'a donné l'argent pour envoyer à sa mère. Alors je l'ai cherché partout ici. Je ne le retrouve pas. C'est ce truc-là qui était dans ces grandes enveloppes. Ah oui, c'est ça ma chérie. Ah je l'ai fini non? En tout cas, je ne comprends rien. Tu as fini avec quoi? Oui, mais tu m'avais donné l'autorisation de l'utiliser pour le besoin du ménage, non? Oui, je t'avais dit de tout utiliser dans cette maison, mais pas l'argent. Surtout, pas l'argent d'autrui. Mais on dirait que ce n'était pas fini. Je me rappelle que tu avais 20 000 naira ici avec toi. Et si j'ajoute l'argent des dailles, ça va faire... Qu'est-ce que tu as fait avec tout cet argent? Dis-moi un peu. Doucement. Doucement, hein. Tu sais, la dernière fois que j'étais sortie avec Toi, et c'était avec cet argent. Nous étions allés manger les salams. Les jours où on t'avait apporté les morceaux qui étaient restés. Tu te rappelles, non? C'est le jour où on avait mangé à l'extérieur. Quoi? Toi! Toi! Toi, sors ici! Toi! Hey. Voilà. Voilà où. Mais pourquoi tu cries mon nom comme ça? Pourquoi tu permets à Pamela d'utiliser 50 000 naira en un jour? Pourquoi? C'est quoi ce genre d'insulte? Est-ce que Pamela est un bébé?
Elle a décidé de dépenser son argent, alors pourquoi devrais-je l'arrêter? Son argent? Elle a utilisé 50 000 naira sur toi, l'argent d'autre que j'avais dans la maison. Eh ben, elle a proposé de me faire sortir et aller manger, alors en quoi est-ce ma faute? Tu devais être sage. Tu ne pouvais pas la permettre de dépenser toute cette somme d'argent. Tu ne m'avais pas dit que je devais jouer à la babysitter d'une adulte mature. Il a toujours été dit que le sang est plus fort que l'eau. Il y a vraiment beaucoup de drames dans ta famille. Donc c'est tout ce que tu peux dire, hein? C'est tout ce que tu peux dire à propos, n'est-ce pas? Ne viens plus me déranger pour des bêtises. Je veux mon argent. La totalité. Que même un rond ne manque pas. Ha! Où est-ce que je vais les trouver? Va te chercher un boulot comme une servante. Ok. C'est quoi le travail en question? Ta tête ne fonctionne pas bien. Je veux mon argent. La totalité. Je veux tout mon argent. Ah ah! Où est-ce que tu vas? Je sors. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien de mal avec toi, Pamela. C'est juste que je me demande si je dois te le dire. Fais-moi comprendre. Demain, c'est l'anniversaire de Vicky. Dayo a l'intention d'organiser une fête surprise pour elle. Ça veut dire que je vais danser comme il faut. Arrête s'il te plaît, c'est pas ce genre de fête. C'est juste une petite fête avec quelques amis, rien d'extravagant. Ah. Dayo arrive dissipé, on ira faire les achats pour Vicky et moi. Non. On va aller, non? Je vais profiter faire des achats pour moi-même. J'ai l'argent, écoute, non? Vicky ne doit rien savoir. Allez, laisse tomber. C'est toi qui as l'habitude d'aller lui rencontrer tout ce que nous faisons ensemble, non? Ah, mais voyez-moi cette fille. Est-ce que je t'avais demandé d'aller voler l'argent de ta sœur? Ah ah, ça, ce n'était pas volé ou? Ce n'est pas du vol. Alors, qu'est-ce que c'est? De grâce, va rapidement t'habiller, on sort. Ne prends pas de l'argent à autrui. Dayo payera l'addition. Hé, madame, ne m'insulte pas maintenant. N'ose pas m'insulter. J'ai mon argent ici, d'accord. Tu veux que je te le montre? C'est pour faire mes propres achats. J'ai assez de billets pour moi-même. Oh. Tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu ça? N'insulte pas. Oh. Allô? Comment tu vas? Oui, ça va. Tu es en route? Hein? D'accord, pas de problème. T'inquiète, ça va. D'accord. Oui, à plus. C'était Dayo, il est déjà en route. Dayo? Vicky Dayo? Oui. Ah ah! Elle a des numéros. Oui. Ah ah, pourquoi non? N'est-ce pas que nous sommes amis tous les deux? Vas-tu y aller ou pas? J'arrive. Un instant. Reviens par là, Pamela. Il est hors de question que tu sortes avec moi habillée de cette façon. Non, pas ce genre de tenue. Ok, bien, c'est compris. Hein? Sois là, attends-moi. J'arrive. Mais je m'échange. Ne pars pas, hein? J'arrive. Oh, Seigneur. C'est la galère qui m'attend aujourd'hui. C'est drôle. Vraiment. Non, tu n'es pas sérieux. Hey, attention. Hey. Ah oui. C'est ça, tu veux commencer à sortir avec les fiancés de ma sœur. Oh non. Yeah. Oui. Mais. Non. Oui.
Rien. C'est ça, le lieu. Oui. Ok. Oui. Entrons. Allons-y. Oui, bien, c'est ici. Oui, ici. Pas vrai? Oui, ici. Oui, viens, on y va. Viens, passe okay. Les bancs. Non, non, attends. Suis-moi. Entre, non? Viens. Il faut voir ce but. Waouh. Tu sais, parfois je me demande comment certains joueurs arrivent vraiment à faire ça. Celui-là est attaquant, défenseur, latéral, ils font des trucs là sur le terrain. Mon gars, ils utilisent tous un même ballon, mais c'est cette même balle qui les font souffrir. Moi, je n'ai même pas parlé de ça. Je te jure, cette histoire-là n'est même pas sérieuse. Tu fais quoi demain, mon cher? Demain soir? Demain? Je vais à Lagos demain, je vais représenter mon boss. Nous allons quitter Lagos demain. Oui, c'est moi qui le boss a délégué. Donc, je vais aller représenter, on a une réunion demain. Mon cher, qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est l'anniversaire de Vicky. Oh, c'est vrai. À quelle heure? Je pensais plutôt à un anniversaire surprise. Et on peut faire ça entre 13h et 16h. Je pourrais être là. Mais tu dois me trouver une copine. Qui va faire ça, moi? Tu le feras tout seul, oh. Non, mais mon cher, arrête ça. Non, tu le feras tout seul. Tout seul. Non. Mon cher, pourquoi tu me fais tout ça, non? Dis-moi quelque chose, non? Arrête d'abord de rire. Demain, c'est l'anniversaire de ta copine. Tu sais moi, quoi? Je ne peux pas tenir seul. J'ai juste pitié de toi. Bossé. Viens avec ça ici, s'il te plaît. Merci. Serre-le de l'autre côté là-bas. Ok, Oga. J'en ai marre de cette pomme. Merci beaucoup. Merci. Mon appétit, Oga. Merci. Elle ne s'est même pas préparée, mais franchement, je n'arrive même pas à la comprendre. Je n'arrive même pas à la comprendre, mon cher. Hein? Pourquoi tu ris, toi? Hein? Pourquoi tu ris? Regarde, c'est quoi tout ça? Regarde, l'assiette est même sale. C'est quoi tout ça? Dis-moi, c'est quel genre de nourriture comme ça? Mon cher, arrête d'abord de rire, non? Bossé! Oui? Viens! Oui, bon, ça, je t'ai déjà parlé de ça, je t'ai déjà dit des gens préparés plus jamais ça chez moi, hein? Regarde un peu comment tu as préparé, c'est vraiment la nourriture que moi je vais manger. Mais Oga, j'avais seulement préparé comme d'habitude. Chaude? Mais j'ai même pas dit que ça devait être chaude, regarde s'il te plaît, enlève ça s'il te plaît. Je vais aller manger dehors, enlève ça ici. Je peux pas aller une autre nourriture. Non, pas besoin, même pas un peu, tu sais quoi? Juste, fais ta valise et tu t'en vas. Hein, fais juste ta valise et puis tu t'en vas. Ah. Il ne te dérange pas, c'est même pas de ta faute. Oga, vous me chassez. Bossé, s'il vous plaît. En fait, tu es viré et ne te dérange même pas. Je vais te payer. Oui, non, je vais te payer. Ne te dérange même pas, je vais te payer. Mon boss. Colline, pourquoi... Monsieur, s'il vous plaît, je voulais dire, monsieur, ne me chassez pas. Ne te dérange pas, ok? Maintenant, mon cher, écoute toi aussi. Est-ce que c'est amusant? Écoute, ce n'est pas ça. Mais pourquoi tu ris? N'est-ce pas que je suis sérieux? Allô, ma belle, comment tu vas? Et tu es où comme ça? Oh, c'est bon. Je voulais juste savoir. D'accord. Elle est devant le portail. Elle est devant le portail. Salut, ma belle. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Tada! Joyeux anniversaire. Oh, mon Dieu! Oh, mon amour, je suis très contente. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu sais combien je t'aime. Beaucoup, chérie. Oh!
Les gâteaux. Allez, coupe les gâteaux. Oh, tais-toi. Tu es villageuse comme ça, pourquoi? Oh, allez, prends ça. J, O, Y, et I, X. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Wow. Tu es juste merveilleuse. Viens là. Maintenant, dis-moi un peu. Comment tu fais? Tu es absolument belle. Et même cette robe, elle est magnifique. Merci beaucoup. C'est bon, chérie, mets-toi. Ouais, mets-toi un peu, chérie. Mets-toi. Ouais, mets-toi. Ah. Tu sais, juste envie de passer du bon temps avec toi. Ouais. Alors, où est Pamela? Elle est derrière, je crois qu'elle fait ses histoires. Vraiment? Oui. Oh, vas-y. Ok. Encore une fois, je suis prête. Waouh. Tu es très belle. Oh, tu es très jolie, ma belle. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle. Mais où est Pamela? Pamela, fais vite, c'est pas ton anniversaire. Oh, Seigneur. Seigneur, mais pourquoi il met tous ces temps? Tu ne vas plus y aller? Ah, ça c'est encore quelle question, non? Suivez-moi, gagnons le temps. Attendez mais que je mette comme mes sandales. N'est-ce pas qu'on va à un dîner? Dîner, c'est ce que tu avais dit, non? Ah, tu es habillée de la sorte? Ah, ah. Mais qu'est-ce que vous faites rire? Je me suis trompée de dîner. Dis-moi que tu ne blagues pas. Écoutez, n'essayez pas de m'embrasser ou... Pardon, n'osez même pas le faire. As-tu déjà vu quelqu'un s'habiller avec une robe de nuit dans un dîner? Arrête. La robe de nuit. N'est-ce pas que nous sommes déjà la nuit? Vous avez choisi le dîner de la nuit, non? Alors que voulez-vous? Ah, écoutez, n'essayez pas de m'embarrasser. Oh. Je n'aime pas ça. Ok, je ne veux pas des gens qui m'embarrassent. Un habit de dîner et une robe de nuit. Ce que tu as mis, c'est un habit qu'on met lorsqu'on veut dormir. Mais un habit de dîner. C'est un habit qu'on met lorsqu'on veut sortir, tu vois, à l'été détendre. Voilà, c'est ça. Donc c'est évident que tu ne fais pas. Toi, n'étais-tu pas là quand je l'ai acheté? Hein? Mais Pamela, s'il te plaît, comment est-ce que j'allais savoir que tu l'as acheté pour la fête? N'est-ce pas que c'est toi qui m'avais appelé pour qu'on aille faire les achats pour la fête de Vicky? Mais... Pamela, qu'est-ce que je... Les filles, désolé. Pamela, s'il te plaît, est-ce que tu peux entrer dans ta chambre et porter notre vêtement? Il n'y a pas de problème, hein, Toi, lève-toi de là. Lève-toi de là où tu es. Refais-moi ce maquillage et donne-moi un de tes habits qui va m'aller. Pour cette occasion, on va chez toi dans la chambre. Où est-ce que tu vas comme ça? Es-tu malade? Ça ne va pas la tête? Pourquoi tu allais comme ça, dis-moi, Pamela? Non. Écoute, tu as intérêt à conseiller ta cousine. Es-tu folle? As-tu perdu la tête? Je suis vraiment désolée. Et pourquoi tu me causes toujours des troubles quand je sors avec toi? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu te prends pour ma grande sœur ou quoi? Tu Pamela, vas foutre, tu vas foutre, même pas. C'est bon, pas. C'est bon. Ne me cherche pas. Bon. Bébé, s'il te plaît, mon amour, écoute-moi. Tu vois, ces filles, si tu le suis, nous n'allons plus partir. Alors, laissons-les ici. Dès qu'elles vont finir de se chamailler, elles vont nous rejoindre. Vous pensez que je vais vous laisser partir, hein? Voilà, mensonge. Mais tu ne peux pas aller avec cette tenue. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, elle doit me changer d'accoutrement. Elle est là, dites-lui. N'est-ce pas que c'est toi qui m'as mis tout ce qu'il y a sur mon corps? Tu n'as qu'à les refaire. Pamela, n'est...
s'il te plaît, ne dis rien. Laisse ça comme ça. Hé, l'homme. Tu es une sorcière. Lève-toi de mon lit. Bébé, elle m'a vraiment giflé. S'il te plaît, je suis désolée, je t'en prie. Je me rappelle quand j'ai croisé Tom, je lui disais que cette fille que tu vois là, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le repas ici, non? C'est pas bon. Oh mon Dieu, n'avons-nous pas la même nourriture? Ouais, peut-être que ma nourriture est différente de la tienne, non? Comme tu ne peux pas me croire. Allez, goûte, non? Non! Vous savez, je savais que ceci allait arriver quand elle avait passé sa commande. Ouais, pourquoi vous ne m'avez pas dit depuis la maison que la nourriture qu'on fait ici est différente de tout ce qu'on fait dans les autres restaurants? Chérie, pourquoi tu ne goûtes pas sa nourriture? Ok, très bien. Je vais le faire. Non, pas de soucis. J'ai pour moi. Ah, c'est très bien. La nourriture est bonne. C'est normal, tu es un homme. Non, ce n'est pas comme ça. Écoute, Pamela, on appelle ça riz sauté. Hein? C'est comme ça qu'on le fait. Parfois, son goût est juste comme tu l'as senti là. Hein? Moi, en fait, dans ce cas, fais une autre commande. Ah, maintenant la question que je vais vous demander, qu'est-ce qu'on va faire de cette nourriture? Et l'argent qu'on a payé pour ça, on va le perdre seulement comme ça. Ok, très bien, nous allons commander autre chose. Serveur, s'il te plaît. S'il te plaît. Emmène-lui la soupe des goussis, les ignames et la viande. Ils m'ont déjà servi une nourriture qui n'était pas cuite. Maintenant, ce que tu as commandé là, ils vont préparer ça jusque quand? Ok, qu'est-ce que tu vas prendre alors? Ça devient sérieux, mon Dieu. Écoute, okay, c'est pourquoi j'aime préparer ma propre nourriture que je mange. Tu peux vraiment préparer? Genre, tu peux vraiment préparer? Oh, il suffit seulement de la regarder pour avoir une idée de ce qu'elle fait. Oh, allez, madame. C'est juste que c'est vraiment difficile de trouver des femmes de nos jours qui savent vraiment préparer, vous savez. C'est vrai? Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu fais merveilleusement bien tous tes plats, ma chérie. Oui, je le sais bien, chérie. Mais voici la vérité est que Colin est en train de chercher une cuisinière. Mais il a une cuisinière? Il l'a renvoyée. Ouais, elle là sait où pas il y a qu'un seul repas pour toute la semaine. La plupart de ces gens, tout ce qu'elles ont comme expérience dans leur cuisine, c'est les haricots et les plantains. Si vous allez chez eux pour manger, il n'y a pas grand-chose. Il y a toujours des pommes de terre frites, les haricots et les plantains. Si vraiment. Tu essayes de leur poser la question, ils vont essayer de s'échapper pour dire qu'on n'aime pas ça. Eh non, c'est pas grand-chose. Oh. Ça, c'est tu veux vraiment prendre celle-là comme cuisinière? Comment ça? Hey! Écoute, j'aime. C'est bien pour que les gens ne me voient pas en train de finir. Puisque ma sœur Vicky ne fait pas me trouver une autre opportunité où je trouverai un peu d'argent. Oui, je vais commencer à bien manger. Mais oui. Oh oui. Vraiment. En fait, ça, ce n'est pas un problème. Arrêtons d'abord de la taquiner. Arrêtons de la taquiner comme ça. Tu pourras prendre même ta sœur. Wow. Ouais, alors, on peut manger maintenant? Ouais, tu peux manger, tu peux aussi prendre ton vin, t'inquiète. Regarde-toi, pourquoi tu as le visage comme un singe? Y a-t-il un problème? J'ai beaucoup entendu pour que l'homme parfait arrive. Il s'est finalement pointé?
mais je l'ai perdu. Je ne t'ai pas très bien compris. Oh, je l'avais rencontré le mois passé. Je voulais que notre relation soit dure avant que je ne puisse t'en parler. C'est ça le problème, non? Comment il peut finir par gâcher tout ce que vous avez construit ensemble, non? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il m'avait invité chez lui. Et sans hésiter, je me suis rendue chez lui parce que je voulais cimenter notre relation. Tout allait parfaitement bien. C'était fantastique, génial. Jusqu'à ce qu'il me demande de faire la cuisine. Ok, d'accord, j'étais allée au supermarché, j'ai acheté des bananes plantain, j'ai acheté de la pâte, du lait. Il s'est fâché, il a dit qu'il voulait de la vraie nourriture, la nourriture consistante. Et on a commencé à se disputer, par après il était très énervé, il m'a jeté à la porte. Écoute, tu es poursuivi par les gens de ton village. D'accord, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, viens, viens avec moi. Viens, ma chérie. Je suis très sûre qu'en ces moments, il est en train de regretter ce qu'il t'a fait, ma chérie. T'inquiète, il va revenir à la raison. Faire quoi? Non, tu ne sauras pas être une bonne mère pour sa maison. Oui, c'est à cause d'argent qu'il a qu'il va s'acheter le problème avec la femme qu'il veut mettre dans sa maison. Ces plats d'indomie et le plantain, c'est toi qui avais préparé ça, non? Est-ce toi qui l'as fait? Non. Est-ce que toi tu as déjà préparé? Hein? Dis-moi. Ok, attends. Mais qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, Pamela? Tu essaies de dire que je ne sais pas faire la cuisine? Je ne sais pas cuisiner? Mais je préparer. Cuisine. Préparer quoi? Attends. Cette indomie et le plantain qui avaient l'air d'un repas d'avant-hier étaient faits par toi. Attends, le gossu soupe que tu avais fait l'autre jour là. Qui avait la soupe jusqu'à ras-bord. Quand tu nous as tous servi, l'assiette de chacun était remplie de soupe. On n'essayait même pas de soulever l'assiette pour boire la soupe. Calme-toi, ça suffit. S'il te plaît, arrête. Même toi là, tu sais préparer. Ne me dis pas que c'est ok. C'est ok où? Écoutez, voyez-vous deux là. Moi, je peux vous apprendre à préparer. Pamela, ça suffit. C'est comme ça que tu dois lui parler. Tu dois plutôt la consoler. C'est quoi avec toi? Conso. Toi, t'inquiète. Même si j'étais grande, rassure-toi, je te promets que notre amitié demeure. Allez, donne-moi 5. Tiens-moi la main, non? C'était Dayo. Il veut que nous partions chez lui. Désolée, je n'ai pas envie de sortir. J'ai vraiment le cœur brisé. J'ai besoin de rester seule. Es-tu sûre que ça va aller? Elle va aller mieux. Partons. À moins que tu la mettes dans ton sac. Elle ne veut pas, non? Laisse-la, partons. Je t'appellerai pour avoir tes nouvelles. Allons-y. C'est quoi? Dieu. Je me sens pas très bien le fait qu'on a laissé Toi toute seule à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Ma sœur, ce make-up ne tient pas sur mon visage. Laisse-moi enlever ça. Comme ça, quand le monsieur là me verra, il va me donner des travaux sans problème. Oui. C'est pour ça que tu utilises ta salive pour l'enlever? Mais qu'est-ce que tu veux que j'utilise encore, non? Hein? Dis-moi, ma sœur. Pourquoi est-ce que tu aimes embarrasser les gens? Toi, tu aimes bien les mots embarrasser, hein? Tout c'est seulement embarrasser. Alors, tu veux qu'elle commence le travail quand? Elle peut même commencer aujourd'hui. Ça ne dérange pas, ça dépend d'elle. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas de problème avec ça, non? À n'importe quel moment qu'il voudra. Je peux commencer.
Il n'y a pas de quoi. Je pense que tu dois lui dire comment est-ce qu'elle va posséder. D'ailleurs, je pense que tu dois faire pour elle une liste de tâches. Ouais, tout ce que je veux, qu'elle nettoie bien la maison. Elle nettoie la maison et aussi qu'elle prépare des bons repas. Un bon repas. Et pour les repos, c'est pas un problème. Oh, d'ailleurs, elle peut venir à tout moment qu'elle voudra. Je ne veux pas surtout qu'elle soit mal à l'aise dans cette maison. As-tu entendu? Ça là, c'est mon nom. Donc, il n'y a pas de d'accord, problème. D'accord, moi je vous prends congé. Ok. Oh, merci d'être venu. D'accord, s'il y a quelque chose, n'hésite pas de m'appeler. Ah, ok. La cuisine, c'est de l'autre côté. Elle ne comprend pas bien le français? Pas vraiment. Elle vient à peine d'arriver. Mais je crois qu'elle va s'adapter. D'accord. Prends soin de toi. Appelle-moi s'il y a quelque okay. chose. Non, 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 c'est notre projet de demain. Hein? Oui, bien sûr. Oui. En fait, laisse-moi te rappeler. Pamela? Oh ben, c'est quoi cette odeur? Bienvenue. C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est ça que je vais manger? Oui, monsieur. S'il te plaît, enlève-moi tout ça et jette-le dehors. Ah, ah. Mais comment? Tu ne sens pas que ça sent mauvais? Oh, gars, ça c'est l'odeur originale. C'est la magie de l'Afrique. Ok, ok, mais je ne veux pas de ça ici. Enlève ça, jette-le dehors. À quoi sert ces petits mortiers? C'est la pâte d'igname. S'il te plaît, enlève-moi tout ça. Enlève-moi tout ça. Rapidement. Moko, c'est quoi ça? Tout ce que je fais, jette ça. Hein? Oh? Je n'aimais pas tous ces ingrédients. Comment cette nourriture va goûter, non? Regardez-moi ces messieurs. Tu veux que je les prépare rien qu'avec mes mains? Dès que j'ai fini de les préparer, quand la table sera dressée, tu pourras les jeter. Faut pas me troubler, hein. Waouh, ça sent bon. Amène-moi la fourchette et les couteaux. Hein? Ça? Oui. Un banano. Tu vois ces choses-là, c'est pour les Igbo. Nous sommes de l'Afrique, ok? Allez, lave tes mains. Vite. Lave-le bien. Très bien. Quoi? Allez, coupe. Nous sommes en Afrique. Pas question de couteaux et de fourchettes. Oh, c'est très bon. C'est très bon. Allez, mange. Dis-moi un peu, c'est quoi ça? Mange encore. Encore une fois. Très bien. C'est bon, hein? Ça, c'est notre nourriture locale. Nourris-toi. Mange encore. Tu as aimé, non? C'est délicieux. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prochaine fois, ne me dis plus encore de le jeter. Mange, je reviens. Donc, c'est comme ça que tu entres dans la maison d'autrui. Et qui es-tu? Mamae, c'est comme ça que tu entres dans la maison des gens et tu leur poses ce genre de questions. Hein? Oh, d'accord. Je suis Debbie, la petite amie des Collins. Oga ne m'a pas dit qu'on aura un visiteur. Attends un peu. Le portier te voyait entrer. Benson, tu veux dire?
Ça se saura. Tu es sa nouvelle bonne, n'est-ce pas? Hein? Et c'est gagné. Bien. N'ose plus m'appeler encore comme ça. N'ose plus jamais, oh. Alors, qui es-tu? Es-tu sa sœur? Allô? On vient juste de m'informer qu'il y a une fille qui est dans ma maison. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur. Ah, en tout cas, cette fille est folle. Dis-lui juste que je voyageais. Dis-lui que je voyageais et surtout, ne la laisse pas seule à la maison. Tu as compris? Oui, monsieur. Et ne lui dis pas tout ce que je viens de te dire. C'est bien compris. Bye-bye. C'est lui? Est-il déjà en train de retourner à la maison? Non. Non, comment? Non, non. Mais non, comment? Non. Ce n'est pas mon problème. Hein? Olga ne m'a pas dit que j'allais avoir un visiteur. Je ne suis pas une visiteuse. Je t'ai déjà dit, je suis sa petite amie. Pour la bonne compréhension, je suis sa fiancée. Prends tous ces noms. Avec tout ce que tu connais. Je n'en sais rien. Olga m'a dit qu'il n'attendait pas à avoir un visiteur aujourd'hui. Oya, lève-toi. Oh, ça. Quand est-ce qu'il va retourner? Je ne sais, non. Bien. Il ne prend pas mes appels. Alors, à son retour, dis-lui que j'étais pressée. C'est entendu. Tu sais, tu es... Allez-vous-en. Es-tu sa bonne? Ah, Pamela, tu vas bien? Ah, bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Bon retour. Est-ce que tu prépares aussi des légumes? Oui, monsieur, très bien. D'accord, c'est ce que je vais manger cette nuit. Parce que tu ne fais que préparer des soupes, on dirait que tu ne sais pas préparer quelque chose d'autre. Olga, n'est-ce pas que vous m'avez dit que vous préférez manger les soupes et les ignames? Olga, donnez-moi l'argent pour aller acheter la viande au marché pour votre repas du soir. Ok, d'accord, je suis désolé. J'étais occupé, je n'ai pas pu t'appeler, mais il n'y a rien que tu puisses faire maintenant. Olga, il n'y a pas de problème. Hein? Vous voyez, demain, je n'allais pas venir au travail, hein? Mais je viendrai seulement pour préparer pour vous. Dès que j'aurai fini, après quoi, je pourrai partir. Mais il est encore 18h, tu peux toujours faire quelque chose. Olga, n'oubliez pas que je ne me promène pas la nuit. Oh. Tu as l'argent avec toi. Tu as l'argent avec toi, donc tu peux l'utiliser. Oui, mais Olga, je ne saurais payer les transports avec cet argent, non? C'est un peu... Je vais te les donner, donc ne t'inquiète, je vais te les donner. Et pour ton retour, ne te dérange pas. Je vais aller te déposer chez toi. Est-ce que je peux avoir cet argent pour que je me dépêche vite au marché? Il te faut combien? J'aurais besoin de tout ça. $5,000. Ah, comment? Mais ça ne va pas suffire. Rajoutez un peu d'argent. Regarde, il ne me reste que $2,000. Regarde. Ok. Prends, ajoute ça. Je le ferai avec beaucoup de motivation. D'accord. Merci d'avoir passé la journée avec moi. Merci. Écoute-moi, Pamela, j'ai une chose que j'aimerais bien te demander. Ok? Ça sera possible pour toi de rester pendant les jours de la semaine et tu rentres chez toi pendant le week-end. Ah! Olga, qu'est-ce que je serai en train de faire pendant ces temps, non? Je l'ai demandé juste comme ça. Et j'aimerais bien te parler pendant tous ces jours. Ah, ok. Je vais vous répondre. Ok. Et en plus, je vais commencer à t'aider à sortir, à faire des tours chaque jour comme ça. Pas de problème.
Mais j'ai commencé l'école. Oh, l'école? Quand est-ce que tu as commencé? C'est ma soeur Vicky qui m'a amené là-bas. Ce n'est pas très loin d'ici. Je vais là-bas le week-end. Oh, c'est très bien. Comme ça, tu peux venir à la maison le lundi. Et alors, tu peux rentrer chez toi même le vendredi. Et le samedi, tu seras à l'école. Ok. Laisse-moi aller parler avec ma soeur. Tout ce qu'elle me dira, je viendrai vous Je suis d'accord. Absolument. Merci. Bye bye, yo. Pamela, bon week-end à toi. Bye. Il m'a demandé de rester chez lui au lieu de rentrer tous les jours. C'est évident que ce garçon est né sur toi. Laisse-la d'abord finir. Je lui ai dit que je devais d'abord parler avec toi et tout ce que tu me diras, je rentrerai pour lui dire. Crois-tu que tu plais à ce garçon? Ne dis pas ça. Allez, Vicky, réfléchis. Les gars les ramènent à la maison le vendredi soir ou soit le samedi. Maintenant, je vais passer plus de temps avec elle. Il veut maintenant qu'elle puisse déménager chez lui. Ce gars lui veut. Il m'a dit que venir et rentrer à tout moment va me stresser. Réfléchis un peu. Tu te rends là-bas presque toujours et des fois t'appelles même hors les jours de service. Maintenant, il veut que tu puisses t'installer là-bas. Dis-moi d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais à la maison? Il m'a encore dit qu'à chaque fois que je rentre ici, je ne serai pas libre. Il me demande aussi de commencer à mettre des pantalons. Et si... Vraiment bien que tu aies été installée là-bas. Comme ça, tu vas apprendre comment on met les pantalons. Ok, je pense que tu dois me laisser réfléchir à propos toute la nuit, comme on dit que la nuit porte conseil et on va prendre bonne décision. Lui avais-tu parlé à propos du salaire? Oui, je lui avais dit ça. Ok, alors pense aussi toute la nuit, comme ça on verra ce qu'on va faire le matin. Ok. Ta maman ne t'avait pas appris comment mettre les pantalons? Mon père a appelé. Non, ce n'est pas ça. Ok. Mon père était sorti. Ah, non. Attends. C'était encore comment? Attends, je réfléchis. C'était encore quoi l'exercice? Tu révises tes notes? Oui, monsieur. Oui. Besoin d'aide? Si tu veux commencer à m'enseigner à tout moment, je n'aurai plus le temps de m'exercer moi-même. Non, je ne veux pas. Tu es sûr? Oh, gars, je vous dis, c'est pas facile. C'est foncé et très dur. C'est très très compliqué. Fais-moi voir. Mon père était marche. Mon père était sorti. Hey! Désolé, monsieur. Ce n'est pas grave. C'est toi qui as écrit ça. Oui, c'est bien écrit. Ce n'est pas mal. Es-tu en train de venir? N'es-tu pas en train de venir? Es-tu encore venir? Vas-tu encore venir? Oh. C'est ce que tu devrais dire. Vas-tu encore venir? Es-tu venu? Voilà. Ça commence à aller petit à petit. Petit hein? À petit. Ok. Mon père avait... Été. Oh. Mon père était sorti. Mon père était sorti. Ah, Oga, vous êtes en train de sortir. Hey. J'étais allée acheter des choses, des provisions. C'est quoi tout ça? Et en venant, j'ai rencontré... D'accord. Je l'ai rencontré. C'est ma connaissance. On habitait avec elle. C'est vous, M. Coulet. Oh, salut. Bonjour, M. Coulet.
Enchantée de vous voir. Oui. Ah, dis-moi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Toi. Wow. Oh, en tout cas, tu as un joli prénom. Oh, oui. Oui. C'est bien. Oui. Désolée, je dois répondre à cet appel. Ok. Mon cher, je suis en route, j'arrive. Attends-moi juste là, j'arrive. Attends-moi juste là, j'arrive là dans quelques minutes. J'ai déjà quitté la maison, j'ai déjà quitté. D'accord, j'arrive, d'accord, bye. Désolé pour ça. Oh, non, oh, c'est pas grave. Oh, désolé. C'est ma carte au cas où vous aurez besoin de moi. D'accord. D'accord. Au revoir, bye bye. Ah, au revoir. Tu aimes beaucoup les hommes. Pourquoi tu regardes mon gars comme ça? Pamela, il est célibataire et il se pourrait que je puisse l'intéresser. Tu es très dangereuse. Tu ne la conviens pas. Pamela, les hommes adorent ça. Quand tu leur fais des avances, ils sont ravis. Retiens cela. Tu cours derrière les hommes. Oui. S'il te plaît, je vais voir Collins. Je vois que tu ne sais pas comment entrer chez les gens. Tu ne toques pas, tu entres comme si c'était la maison de ton papa. S'il te plaît, où est Collins? Il a voyagé. Non, ce n'est pas vrai, tu le sais très bien. Parce que je l'ai vu ici dans la ville. Hein? Si tu veux, tu n'as qu'à aller le chercher là où tu l'as trouvé, non? J'entre alors dans la chambre. Attends. Où est-ce que tu vas? J'entre dans la chambre pour me reposer. Alors dis-lui que je suis ici. Mon ami, dégage sur mon chemin. Non, je ne te laisserai pas passer. Tu sais, Colix ne va pas aimer ce que tu es en train de faire. Il sera en colère si je lui dis la manière dont tu es en train de me traiter. Je le lui dirai à son retour. Il fera quoi? Ok. Pour celui-là, hein? Peu importe le jour, l'endroit ou la date que tu le verras, tu peux lui dire. Je vais donc m'asseoir et l'attendre jusqu'à ce qu'il sera de retour. Enlève ça sur ma route. Enlève ça sur ma route. Oni wamne wiwe ya biko we wo ya bom bom. Asuka suma bi ya biko suagiyo. Oni wamne wiwe ya biko we wo ya. Regardez-moi cette fille. Elle ne veut pas partir chez elle. Je ne sais quoi faire avec elle. Elle dort aussi. Oya, commence à partir. La personne que tu attendais ne revient pas. Elle ne vient pas aujourd'hui. Tu peux partir. Je dois me déplacer, alors toi tu dois partir. Pas. Je ne partirai pas si je ne vois pas Collins. C'est quoi, madame? Tu vois tous les 10 doigts de mes mains ici. Hein? Si je les pose sur toi avec pression et force, tu ne vas pas aimer. Oh. Je vais te soulever et te mettre dehors. Oh. Vas-y, fais-le. Fais tout ce qui te semble bon. Vas-y. C'est quelle loi là comme ça? Hein? La personne que tu es venue chercher n'est pas là. Pas. Tu veux commencer à créer des problèmes. Je t'ai déjà dit, je ne bougerai pas d'ici si je ne vois pas Collins. Bien, touche bien tes oreilles. Il ne reviendra pas aujourd'hui. Moi aussi, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Écoute-moi, je ne te laisserai pas rester ici, là où moi je suis. Mets tes pieds dehors.
S'il te plaît, peux-tu l'appeler? Je veux parler avec lui. Regarde-moi ce chichi, oh. Tu as ton téléphone. Prends ça, appelle-le. Je n'arrive pas à le joindre. J'ai comme l'impression qu'il m'a bloqué. Mm-hmm. Ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, oh. Allô? Prends. Parle. Allô, bébé. Debbie, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Ma femme ne t'a pas dit que j'avais voyagé? Colin, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas mariée. Et même si tu l'es, c'est certainement pas avec celle que je vois ici. Arrête ça. Je veux pas que tu parles à ma femme de cette manière. Colin, je crois que c'est un mauvais rêve que je suis en train de faire. S'il te plaît, je t'en supplie. Laisse tout ce que tu es en train de faire et reviens à la maison. Allô? Allô? Seigneur, qu'est-ce que je me suis fait? Je crois que ce n'est pas à moi que tu te refaire. Laisse-moi essayer. Allez. Encore. Allô? Remets mon téléphone. Lève-toi et marche. Qu'est-ce que tu attends? Je ne bougerai pas de cette maison. Je ne quitterai pas ici. Hé, hey, du jamais vu depuis que je suis née au... Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu fais la tête dure puisque je suis une femme. Tu vois ta vie. Tu peux rester là jusqu'à ce que tu vas te fatiguer partir de toi-même. Reste là. C'est bien. Pamela. Oga? Elle n'est pas partie? Elle ne veut pas partir, oh. Ok. Écoute-moi. J'ai besoin de ton aide. Écoute-moi. Oh bébé, tu es de retour. Je suis très heureux de te voir, chérie. Tu sais pas combien tu m'as manqué. Oh, Colix, arrête ça. Je sais qu'elle n'est pas ta femme. Elle est ta bonne. Viens, allons-y. Allons-y dans la chambre, chérie. Allons-y. Oga, écoute, je n'aime pas ce que tu as fait là-bas, oh. Je n'aime pas ça. Comment tu peux commencer à manger ma bouche comme ça, comme un con? Je suis désolé, mais laisse-moi t'expliquer. Mais je devrais quand même faire quelque chose, non? Hein? Est-ce que tu ne comprends pas ça? Je ne veux plus de cette fille-là. Ok, c'est bon. Mais prochainement, faut pas faire ça. Hein? Je n'ai pas aimé, faut pas faire ça. Évitez des choses okay, comme ça. Ok, je suis désolé. Viens t'asseoir, viens. Écoute, je veux partir. Je ne reste plus ici, le week-end. Tu m'as écouté. Non, mais tu ne peux pas partir, non? Tu ne peux pas partir, pourquoi? Hey, pourquoi non? C'est toi qui me demande ça. Écoute, tu dois juste me comprendre. Je viens juste de lui dire que tu es ma femme. Alors, tu veux vraiment qu'elle me crée des problèmes, c'est ça? Hey, Oga. Moi, je suis ici pour le business. Je ne suis pas dans vos affaires d'amour. Ok, Pamela, s'il te plaît, reste un peu. Laisse-moi aller en premier, je vais lui parler, ok? Oga, je te pose une question. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Ah, c'est encore quelle question ça? Elle ne cesse de me créer des problèmes. Aujourd'hui on va discuter, demain on répare et j'en ai marre. Et en plus, elle est la fille de mon patron. Alors, je ne veux pas avoir des problèmes au travail. Je dois vraiment être très diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Fais juste ce que je te demande, ok? Reste un peu, je vais te payer. Oui, je vais te payer. Oui, je vais te payer. Tu vas me payer? Oui. ok. Bien. Tu vas rester. Payer, hein? Je vais te payer si tu restes. Ok, je le ferai. Oga. S'il te plaît, viens t'asseoir. Fais comme si tu étais ma femme, viens t'asseoir. Mais maître, tu vas me payer. Je vais te payer. J'étais très sérieux avec toi. Mais tu m'as pris pour un aventurier. Tu te promènes partout dans toute la ville avec les hommes. On dirait que moi, je ne te méritais pas. Bébé, je t'ai dit que je suis désolée. Oui, ce n'est plus mon problème. Comme tu viens de voir, je suis déjà mariée.
Pourquoi je pressens que tu es en train de me laisser voir? Si réellement tu es mariée, pourquoi est-ce que personne n'est au courant, même mon père? C'est ma vie. Je n'ai pas d'explication à donner ni à toi ni à quelqu'un d'autre. Je te parle de ça maintenant puisque j'ai un respect pour ton père. Je ne te crois toujours pas. En fait, ça c'est ton problème, ok? Je n'ai pas d'autre chose à te dire. Bébé, y a-t-il quelque chose que je peux faire? S'il te plaît, je peux très bien la faire partir, je t'en prie. Je suis prête à le faire, s'il te plaît. Bébé? Chérie, ça va? J'ai pensé de faire quelque chose pour la bouffe. Comment tu trouves? Oh oui, c'est une très bonne idée. Fais-le comme tu le fais d'habitude, ok? Je vois très bien votre connexion. Mais il n'y a pas d'anneau. Je veux dire, si vous êtes réellement marié, vous deviez avoir des anneaux. Alors, mais on n'a pas besoin d'utiliser les anneaux, ok? Et elle est très simple, tu vois, donc c'est ça. On n'a pas besoin d'anneaux pour montrer qu'on est marié, n'est-ce pas? Maintenant que je t'ai trouvé déjà mariée après t'avoir laissé, je ne te blâme pas. Je me blâme moi-même. Je pense que j'ai eu une très grande leçon de ma vie. Je respecte beaucoup les gens qui sont mariés. Alors je vais partir. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin du temps pour me calmer un tout petit peu. Oh, d'accord, c'est pas grave. Comme tu peux le voir, ma femme est très gentille et très accueillante. Donc, elle ne va pas en faire un problème, d'accord? Je n'en reviens pas que j'étais perdue. Oga, mais comment avec elle, non? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas ce qu'elle veut. Hé, la voilà, elle arrive, elle arrive. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive, non? Tu ne veux pas démanger ça? Je vais te déranger, c'est ça? Je vais passer du temps avec toi dans la cuisine, d'accord? Ça sera après, très bien. S'il vous plaît, je peux avoir un verre de jus? Donne-lui les jus. Tiens, c'est pour toi. Prends pour lui le verre. Oui, prends le verre dans le tiroir. Ça va aller haut. Et finis par haut. Très bien. Votre soif. Ok, c'est bon, la session a pris fin, tu peux partir. Non, je ne veux pas aller là-bas. Oga, pars. Mais laisse-moi pars, juste... non. Va je veux juste rester avec toi. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas du tout. L'événement a déjà pris fin, non? Mais laisse-moi rester avec toi, non? Mais Oga, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, non? Tu vas en finir avec ça ou quoi? Ces jeux deviennent des trop. À tout moment, c'est toujours des bisous, des touchés, à tout moment. Ma belle, Pamela n'est pas toujours revenue. Est-ce qu'elle t'a appelé? Pourquoi tu ne l'appelles pas pour savoir ce qui se passe? Appelle-la, non? Désolée, je n'ai pas de forfait. Moi non plus, j'en ai pas. Vic, tu viens à peine d'éteindre ton téléphone, ma belle. Comment le sais-tu? Mais je t'avais vu. En tout cas, c'est ça, mon cher. Oui, on se verra demain, sauf imprévu. D'accord. Ok, pas de problème. Je te rappelle. Oh chérie, ton téléphone sonne. C'est qui m'appelle? Oh, c'est Vicky, je lui parle. Tu peux prendre, parle avec lui. Dis-lui que je suis fatiguée, j'avais beaucoup de choses à faire. Allô Vicky? Comment vas-tu? Est-ce que Pamela est là? Oui, elle va bien, elle est là avec moi. Oui, j'aimerais savoir si elle va venir.
Oh, non, 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 elle ne peut pas retourner aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Ok, je comprends. Est-elle là? J'aimerais parler avec elle. Elle dort déjà, mais elle va te rappeler après. Ok, qu'elle m'appelle dès qu'elle sera libre, ok? Elle va te rappeler, elle va te rappeler. Je comprends, je comprends. Elle demande si tu vas lui rendre visite aujourd'hui ou non. Il a dit qu'il a des choses à faire et Pamela ne peut pas rentrer ce week-end à la maison. N'est-ce pas que tu avais appelé le numéro de Pamela? Oui, bien sûr que oui. Et maintenant, il répond à ses appels? Je ne sais pas. Pourquoi toutes ces questions? J'ai l'impression que ces deux-là ont eu une relation. Et si Pamela entretient une relation avec lui, c'est vraiment mauvais. Et alors, s'il a une affaire? Je pense que Pamela est une grande personne pour se prendre en charge. Vicky, mais allez! Toi et moi savions très bien que si seulement elle s'offre à cet homme, il va utiliser la jetée. Et d'où est-ce que ça provient tout ça? Pourquoi ne pas demander à ta cousine d'où viennent toutes ces excuses? Et pourquoi elle ne rentre plus à la maison le week-end comme d'habitude? Je me sens très fatiguée. Je vais aller dormir dans la chambre. Tu ne pars pas dormir avec oui. moi dans la chambre? Pourquoi non? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux dormir. Reste encore un peu, non? Je me sens fatiguée. Tu peux me rejoindre quand tu seras disponible. Ok, ok. Va dans la chambre, je vais te rejoindre après, chérie. Prends ton téléphone. Ok. Merci. Je vais dormir. Bonne nuit, chérie. Je ne crois pas que je t'ai perdu pour elle. Tu ne m'as jamais aimé. Si, bien sûr, et je le sens toujours. J'ai même envie de récupérer tout ce que j'ai perdu. C'est le passé maintenant. Oui. Tu as raison. Et j'essaie de me motiver moi-même. Debbie, s'il te plaît. Debbie, s'il te plaît, arrête ça. Et si elle revient et elle nous trouve comme ça, qu'est-ce qu'elle va se dire? Oh, Colin, s'il te plaît, arrête ça. Je veux dire, est-ce que mon corps ne te satisfait plus comme auparavant? Non, arrête ça. Je te souhaite déjà la bienvenue, Colin, s'il te plaît. Debbie, arrête ça. Ah, Colin! Laisse-moi te dire une chose, ma femme le fait mieux que toi, ok? Colin? Prépare ta valise et te quitte chez moi demain matin. Bonjour chérie. Hé, Oga, qui m'a mis sur le lit? Oh, toi aussi, Pamela. Je sais que j'étais allongée ici, au sol, et qui m'a amenée là-bas.
Oui, bien sûr, il faisait très froid et j'étais mis sur les lits. Hé! Oh, regarde, regarde, ces jeux, hein. Comment ça? Aller jusqu'à l'extrême. Dis-moi que tu ne m'as pas allez, fait... Allez, mais arrête ça, non? Tu n'as pas dansé. Dis-moi que tu n'as pas dansé sur moi. Puisque je n'ai rien mis en bas. Dis-moi, dis-moi comment c'était la nuit. C'était Pamela, comment? Pamela, rien ne s'est passé. Les pavements étaient très froids et je t'ai mis sur le lit. Ok? Il n'y avait rien. Alors viens manger. Oui, viens t'asseoir et tu vas manger. Oga, à manger pour moi. Oga, mais notre drame n'est pas encore arrivé à sa fin. Je dois aller Pamela, faire l'examen. S'il te plaît, Pamela, ne pars pas. Reste un peu, Pamela. Elle n'est jamais partie. J'arrive, donne-moi quelques minutes, j'arrive. Va t'asseoir comme ça, tu vas manger, s'il te plaît, tu vas manger. Vas-y, vas-y. Pars, non, toi aussi. Regardez où je suis arrivée. Oh. J'ai pensé que tu allais m'accompagner à l'aéroport. Non, je ne peux pas. Je dois sortir avec ma femme. Elle n'est même pas sortie pour me dire au revoir. Ah, mais peut-être qu'elle est occupée. Oh. Hé! Hein? Enfin, tu t'es décidé de partir. Hein? Oui, je m'en vais. Je suis très désolée pour tout ce que j'ai eu à vous causer, hein? Je veux dire à vous deux. Prends bien soin de lui. C'est un bon homme. Attends, attends! Regarde-le. Regarde-le bien. Je sais qu'il est beau. Tu n'as pas besoin de me dire. Je le sais déjà, oh. Vraiment? Bien. Pars maintenant. Bye. Goodbye, goodbye. Bye bye. S'il te plaît, ne pars pas, s'il te plaît. On va faire examen, non? J'ai fait tout le besoin que tu m'avais demandé. Non, 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 je veux dire, en fait, ne retourne pas chez toi. Mais où est-ce que je vais souvent? Reste, reste encore ici, reste ici, s'il te plaît. Hé! Hey. Oga, pourquoi? Reste ici, pour faire quoi, non? Je ne vais plus me reposer. Pamela, Pamela, écoute, attends, écoute un peu, écoute. J'ai besoin de toi. Ok, j'ai besoin de toi. Arrête de te comporter comme une petite fille. Remets tes affaires. Oga, tu vois cette musique que tu joues? Tu vas aller danser toi-même. Moi, je ne vais pas aller danser. Tu vois moi ici, hein? Pamela, avec mes deux pieds. Je m'en vais. Pamela, Pamela, attends, attends. Pamela? Pamela, écoute-moi, tu non, reste un tomber, peu, non? Pamela. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce que j'essaie de dire? Ok, ok, tu veux que je te dise combien je suis sérieux? Ok, attends. Oga, laisse-moi pardon. Je ne veux pas danser cette musique que tu joues. Je ne jouerai pas avec toi. Hey. Oga! Oga! Je ne sais comment jouer à ces jeux. Laisse-moi partir. Attends, attends, attends. Ok, ok. Je peux être ton coach, je peux être ton coach. Ok? Reste un peu, je serai ton coach, Oga, s'il te plaît, reste un peu. Je n'ai jamais été une footballeuse. Oh, Pamela, attends, non, Pamela. Pamela, attends. Pamela. Pamela, attends. Mon cher, tu ne m'as pas encore parlé de comment c'est temps de travailler chez toi à la maison. Ça veut dire quoi tout ça? Je ne comprends pas. Quoi? Mais est-ce que tu sais de quoi je parle? Écoute-moi, elle est
très particulière, ok? Elle est jolie et elle sait faire le ménage. Elle est aussi polie. Elle s'est très bien préparée. Elle s'est très bien préparée. Attends. Tout ce que tu dis là, c'est seulement pour elle. Écoute, mon cher, je m'en fous de ton avis. Pamela est le genre de femme que moi j'aime, ok? Écoute, je ne vais pas céder à vos caprices. Je ne vais plus jamais dans la vie refaire ma vie avec Debbie. Je n'ai plus de sentiments pour elle. Je crois que tu m'as compris. Et je lui ai bien dit jamais. Hein, ça te fait rire. En tout cas, tout ce que tu me dis là, tu me fais vraiment rire. Toutes ces louanges que tu lui fais là. Laisse-moi jouer, mon ami. Écoute, mon cher, ce que j'essaie de te dire, tu dois quand même le prendre en considération. Ok. Voilà. Je ne sais vraiment pas comment tu vas gagner ces matchs, mais voyons voir. Regarde, je vais t'apprendre comment jouer, ok? Tu vas voir. Vas-y, joue. Voyons si tu feras quelque chose. C'est ton tour, vas-y. Écoute, Pamela est vraiment une fille très spéciale. Qui? Tu sais ce que je t'ai fait la semaine passée, n'est-ce pas? J'étais malade la semaine passée. Tu dis quoi? J'étais malade la semaine passée. Nous allons voir alors. Pamela. Quand est-ce que tu vas arrêter de jouer comme un enfant en fouillant Collins? Laisse-moi te laisser ta chambre. Où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Ah. Pourquoi est-ce que tu veux encore fuir? Tu as arrêté de répondre à ses appels. Tu as arrêté de travailler pour lui. Et lorsqu'il vient à la maison, tu fuis comme si quelque chose te poursuivait. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ma sœur, je n'ai jamais eu la chance en ce qui est de l'homme. Hein? Je ne sais pas parler de gros français. Regarde-moi bien, je ne peux pas être sa femme. Je ne veux pas que tu fasses allusion à quelque chose. Je ne connais pas le plan de Dieu pour vous deux. Alors Pamela, arrête de te faire des imaginations. Collins est un bon homme. Et je suis sûre que vous serez heureux vous deux. Hein? Moi et qui? Toi et Colin. Heureusement où? Moi? Pardon, je ne lui va pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici dans ces heures de la nuit? Collins. Je suis venue remettre le sourire sur ses visages et enlever ces chagrins que cette illettrée et stupide fille t'a mis dans le cœur. Écoute, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, ok? Mais écoute, je suis désolé, mais je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de chérie, toi. Chérie, Collins, mais qu'est-ce qui te dérange, Ali? Je sais que tu me veux. C'est juste que tu es stressée, bébé. Quand tu vas finir, tu sors d'ici. Collins, Ali, détends-toi, laisse-toi faire. Ne sois pas comme ça, Ali, ok? Après toi, je te dépose maintenant. Mais pourquoi toi et Toi, ton ami, vous commencez à vous chamailler juste pour écoute, pour si c'est pour Toi, oublie à propos de lui. Elle ne sait que mettre sa tête et ses oreilles dans les affaires qui ne la concernent même pas. C'est tout ce qu'elle sait faire, t'inquiète. Ne la suis pas, oh. Écoute, Pamela, calme-toi, ma chérie. Viens avec moi. Approche.
Je ne veux pas que tu punisses Collins parce qu'il est tombé amoureux de toi. Ok. Je t'ai entendu. Je vais aller le voir. Si tu finis d'étudier, nous irons le voir la nuit. Hein? Oui. Cette nuit? Mmh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais pas. Prends juste ça. Comment oses-tu? Comment peux-tu? Je ne reconnais pas avoir de problème avec quelqu'un. Excepté si par hasard quelqu'un a des problèmes avec moi. Alors ne perds pas ton temps. Tu es celle qui est en train de perdre le temps avec Collins. Et crois-moi, lorsqu'il va finir de se jouer de toi, il va t'abandonner. Parce que tu n'es pas du tout son genre. Et qui est son genre de femme? Ne me dis quand même pas que c'est ta cousine villageoise. Ne l'insulte pas. Sinon quoi? Sinon quoi? Elle va me parler correctement le français? Collins ne te donnera même pas un accès dans sa vie. Et crois-moi ma chérie, ça va prendre beaucoup de temps. Ok. Alors, dans ce cas, laisse-moi te donner le flash info. Pamela n'est qu'une distraction. Maintenant qu'il a une vraie femme, il n'aura plus les regards sur une autre femme et surtout pas elle. Oh. C'est un peu ça. Ah oui. On verra. Bon après-midi. Salut. Non. Pas important. Je suis venue juste vous donner ça et présenter mes excuses pour la manière dont j'ai arrêté de travailler pour vous. Ne soyez pas vexée. Ma sœur avait tellement insisté, c'est pourquoi je trouvais ça important. Non, ne t'excuse pas, ok? C'est d'ailleurs moi qui ai forcé que tout ça arrive et je m'attendais que tu l'acceptes. Je suis désolé, ok? Mais tu peux prendre place. Toi, tu veux rester debout? Non. Bye. Attends, s'il te plaît. Pamela, attends. Pamela? Pamela, attends, s'il te plaît. Laisse-moi te parler, s'il te plaît. Attends, Pamela, s'il te plaît. Attends, non, s'il te plaît. Coulé? Qu'est-ce que cette chose fait ici? S'il te plaît, reste ici. Pamela, attends. Coulé, je te parle, mais qu'est-ce que cette chose est venue faire ici? Je ne te dois aucune explication, tu me comprends? Aucune.
Où est cette fille? Où est cette illettrée? Pamela, écoute. N'essaye plus jamais de remettre tes sales pattes chez mon petit ami, ok? M'as-tu entendu? Toi, tu sais ce que je vais te dire maintenant? Si je me mets, moi, Pamela, à me battre avec toi à cause d'un homme, ça te fera hausser les épaules. Connais-tu ce gars? Non, attends. Toi, Pamela, moi, me disputer avec toi? Oui, Toye. Oui, tu te prends pour qui? Attends. Toi qui ne sais faire un simple travail ménager, pour ne m'arrêter que là. Préparer, tu ne sais pas. Tu ne connais rien. Oh, je vois maintenant. C'est le gros français que tu parles qui te fait ramasser. Ou ce sont les étalons que tu as mis sur tes pieds? Ou c'est le haut que tu as mis en robe qui te fait faire la tête? C'est ça, hein? Stop! Écoute, je ne suis pas venue ici pour me disputer ou échanger avec toi. Je suis venue t'avertir de ne plus jamais remettre tes pieds chez mon petit ami. Ne sais plus! Ne pense pas que ton français, que tu chantes ouh, entre dans ma tête. Tu n'as pas de sens. Tu es juste devenu comme un tonneau dans lequel on remplit d'eau. Tu te prends pour qui? Tu crois être la superwoman de tout le monde dans cette maison, hein? C'est pourquoi tu oses ravir les cœurs de couler. Si je me charge de toi, moi Pamela, je vais te frapper comme un enfant. Pamela, écoute, juste écoute. La prochaine fois que tu ramèneras ces stupides corps chez mon petit ami, crois-moi, je ne serai pas gentille avec toi. Ok? Ferme ta bouche! Tu oses m'insulter? Tu ne me feras rien. C'est quoi ça? Tu viens à la maison me causer des troubles, à cause d'un homme. Toi, tu ne sors pas de cette maison maintenant. Je vais t'étrangler avec mes mains. Allez, va-t'en d'ici. Pars! Idiote! Ne remets plus tes pieds chez mon petit ami. N'y va plus! Dehors! Vite! Vite! Des sottises! N'importe quoi! Tu as fait pourquoi? Fallait rester ici. Reviens ici. C'est à cause de Oga que tout ceci arrive. Tu viens me faire dépenser mon énergie pour des choses qui n'ont ni queue ni tête. N'importe quoi. C'est tout le monde qui ose me parler n'importe comment. Puisque j'ai raté l'école. Il n'y a pas de problème. L'école là, je vais récupérer. L'uniforme là, je vais le porter. Je mettrai ce haut en robe et ces étalons que tu as mis sur tes pieds. Je les mettrai. Salut. Bonjour. Arrête ça, arrête de tricher. Ah, vraiment. Hey, tu es là. Vraiment. C'est comment? Ça roule, mon cher, ici.
comment tu vas? Je vais bien, mon cher. Oui, très bien. Salut, Vicky. Salut. Vraiment. Je t'en prie, mon frère. Pam. Salut. Je suis venu célébrer avec toi ton anniversaire. Et... Je pense qu'on peut vous laisser. Oui, nous pouvons... Je suis venu célébrer avec toi ton anniversaire et te dire sincèrement combien je t'aime. Pam, je n'ai pas cessé de t'aimer depuis que tu as quitté. Écoute. Lève-toi, je vais t'embrasser, chérie. Écoute. Vas-y, mon gars. Mon cœur est totalement amoureux de toi. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis totalement devenu très faible depuis que tu as quitté. Mon cœur ne bat que pour toi. Et il bat très fort et je crois que tu peux le sentir. Je peux sentir le battement de ton cœur et je sais que ton cœur bat très fort et je suis fortement convaincu qu'il y a quelque chose de moi. Écoute, tu m'as beaucoup manqué. Écoute, je n'ai pas de sentiments pour Tony. Aucun. Écoute, elle était venue juste me dire bonjour, elle était de passage, je ne pouvais pas la chasser. C'est ça la tradition. Alors, tout ce qu'elle essaye de faire là pour m'avoir, ça ne me dit absolument rien. C'est toi que je veux. Je t'aime beaucoup, Pamela. Je veux que tu reviennes, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Pamela, Pamela, oui. Pamela, oh mon Dieu! Pamela, oui, Pamela, oui, Pamela! Waouh! Oui, wow, oui. Oui. Ah, oui, elle veut, ah, oui, bien sûr! Ouh, ouais, wow, c'est ça! Oh mon gars, wow. Ça c'est mon gars. Oh, ma cousine. Tu vois, ça veut bien dire. Wow, wow, je suis contente. Oh mon, wow, Dieu. Oh, oh, Pamela. Bravo. Pamela. Félicitations. Pamela. Wow. Pamela. Je le regarde un peu comme tu es beau. Quoi? Qu'est-ce que cette chose fait ici? Cette jolie femme que tu vois, c'est elle ma femme? Tony, écoute. Je ne sais pas pourquoi je dois te le dire, ok? Je ne t'aime pas, ok? Et je n'ai jamais pensé t'aimer. Bébé, est-ce que vraiment cette fille comprend ce que j'essaie de lui dire? Bah, le feu! C'est mignonne! Tu as vu ça? Oh, désolée. Ah, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, non? Dans la chambre de mon chéri. Mais qu'est-ce que tu dis? Dans ta chambre ou dans ma chambre à moi? Es-tu folle? C'est quoi ça? Est-ce que tu oses aller? Es-tu folle? Écoute, laisse-moi te rappeler ce que tu m'avais dit. Tu avais dit que tu allais me gagner. Où en sommes-nous maintenant? Qui a gagné? M'as-tu gagné? Ou c'est moi qui t'ai remporté? As-tu un problème avec la tête? Es-tu malade? Es-tu folle? Pour qui te prends-tu? T'inquiète, moi-même, je te ramènerai ta valise. Allez, reste là. Séduis-les. Mais... Séduis-les. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Mais... Oui, Pamela. Reviens, sinon. Reviens. Reviens. Elle fouille. Allez, donne-moi 5. Hé, hey, hey, bébé, tu m'as fait mal. Prochainement, il faut taper doucement, ok? Ok. Allez, fais ça, vas-y. Hein? Vas-y, fais comme ça. Fais comme ça, vas-y. J'aime bien bloquer, toi. Vraiment? Moi, quiconque te causera des troubles, je les battrai.
Non, 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 ne frappe pas, hein, chérie, ne frappe pas. Frapper n'est pas bon, ne frappe pas. C'est toi, ma femme, ne frappe pas, ok? Je t'apprécie beaucoup. Oh, tu m'apprécies? Ah, c'est une très bonne chose. Je t'aime. Tu m'aimes aussi? Oui. Ok, d'accord, allons dans la chambre, alors. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.